Depuis plus de 6 semaines, les candidats de Danse avec les Stars s'entraînent d'arrache-pied afin d'offrir la meilleure prestation possible. Assis Diabaté ne fait pas exception. Interrogé sur son aventure, le jeune homme n'a néanmoins pas hésité à balancer sur le caractère trop sévère de sa partenaire, Denitsa Ikonomova. La 10e saison de Danse avec les Stars bat son plein. Alors que Clara Morgan a été éliminée samedi dernier, 26 octobre, les 5 candidats encore en lice entament la 7e semaine de compétition. À force de passer autant de temps ensemble, les célébrités et les danseurs professionnels n'ont plus beaucoup de secrets l'un pour l'autre. Ils se connaissent par cœur. Et surtout, ils ont pu étudier de près les caractères des uns et des autres. Interrogé à ce propos, Assis Diabaté n'a pas peur de balancer sur sa partenaire de danse. Denitsa Ikonomova, note de la rédaction, est une grosse bosseuse, elle est super exigeante. Elle ne me lâche pas. Elle est toute petite, mais quand elle te dit un truc, tu files tout doux, dévoile le jeune homme de 19 ans dans les colonnes de Téléstar ce lundi 28 octobre. Lui, qui a l'air indomptable, ne fait donc pas trop le malin au contact de Denitsa Ikonomova. Et il n'est certainement pas le seul à penser cela. Néanmoins, il faut dire que la méthode de Denitsa Ikonomova a fait ses preuves. Ainsi, sur les 5 dernières saisons, la danseuse professionnelle a remporté le trophée à 4 reprises, avec Ryan Bensetti, Loïc Notet, Laurent Mestret et Clément Rémien. Reste à savoir si cette année encore, elle réussira cet exploit. Si rien n'est joué, c'est en tout cas en bonne voie, puisqu'Aziz Diabaté squatte régulièrement le haut du classement. Le jeune homme souriant, au passé pourtant douloureux, note d'ailleurs les effets positifs de la sévérité de Denitsa Ikonomova. Elle m'a fait progresser sur les postures. Et puis, elle sait me canaliser, sinon, je pars dans tous les sens, s'enthousiasme-t-il. La clé du succès ? Affaire à suivre.